drum, ba pam 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 pam. Shine. I'm a medium E. Look on your. If I die young, bury me in sand. Lay me down on a bed of roses. Sink me in the river at dawn. Send me away, me away, me away. Bienvenue, c'est un nouveau rendez-vous de football que je vais avoir le plaisir de vous commenter avec Franck Sauzet qui vient de me rejoindre. Bonjour Hervé. Voilà, c'est parti et premier ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Franck, comment qualifier ce PSG-OM ? Oh ben c'est le classico français, hein, tout simplement. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est le choc entre les deux clubs français qui génère le plus de supporters. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. Ah, les joueurs ont un beau défi à relever avec ce titre en point de mire. C'est tout l'enjeu vraiment de la fin de saison pour eux. Les débats qui seront arbitrés par Benoît Taillade. Avec Zlatan Ibrahimovic. Et ce sera une touche pour le PSG. Marco Verratti. Pour Ibrahimovic. Steve Mandanda. Un très bon tacle. Mota. Mario Lemina. On s'est musclé comme intervention, mais l'arbitre laisse jouer. Ibrahimovic sous pression. Morel. Djadjadjé. Ils vont tenter de déborder par l'aile peut-être. Dimitri Payet. Mario Lemina. Thiago Silva. Pour Ibrahimovic. Matuidi. Peut-être une occasion. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Oh, le beau tir. Non, ce n'est pas cadré, dommage. Le tacle propre, ballon toujours en jeu. Thiago Silva. Matuidi. Avec Zlatan Ibrahimovic. Dimitri Payet. Benoît Taillade qui va peut-être le sanctionner. Cavani. Il vient lui subtiliser le ballon. Oh, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Matuidi. Pour Ibrahimovic. Marco Verratti. Ça s'approche. Voilà, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Benjamin Mendy. Oh, ouais, pas de danger pour la défense. Avec Zlatan Ibrahimovic. Dimitri Payet. Oh, il n'y a plus que le gardien. Un sauvetage in extremis du défenseur, magnifique. Javier Pastore. Le beau duel pour la récupération du ballon. Matuidi.
à Marseille, on aime bien le jeu un petit peu direct, hein, des joueurs qui mouillent le maillot et qui développent un jeu basé sur la vitesse. Bah oui, mais n'oubliez pas la devise également, hein, qui est droit au but, ça veut dire quand même quelque chose. Hein. Défenseur qui est passé. Ibrahimovic. Cavani. Pour Ibrahimovic. C'est dégagé. Et ce sera une touche pour le PSG. Matuidi. La frappe. Oh le voilà. Oh, le gardien a été pris de vitesse. Il n'a pas le temps de s'étirer pour aller chercher ce ballon à ras de terre. Ah, c'est vraiment d'une précision formidable, c'est quasiment imparable. Ça y est Franck, on le tient ce but qui pourrait peut-être lancer le match. Ah ouais, c'est ce qui manquait en fait. Ça va obliger une équipe à prendre plus de risques, à se découvrir un peu, espérons que l'on ne soit pas déçu. Grégory Van Der Wiel, Marco Verratti. Cavani est à la réception. Il s'avance vers la surface. Mota. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Dimitri Payet. Il va devoir protéger son ballon. Matuidi. Tiendra donc dans cette première période, et bien qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. On reste un petit peu sur notre faim après cette première période. Ben c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus. Et c'est parti pour la seconde période. L'Olympique de Marseille qui est engagé. Dimitri Payet. Ah, il reste sur ses appuis finalement. Pour Ibrahimovic. Grégory Van Der Wiel. Avec Zlatan Ibrahimovic. Ça donne de l'air et ça soulage. Javier Pastore. Benjamin Mendy. Oh, la surface. Ah, personne, il n'y a personne à la tombée du ballon. Et Ibrahimovic. Matuidi. Grégory Van Der Wiel. Il n'a plus le choix là, le joueur marseillais, il doit céder sa place. Le ballon qui file en sortie de but. Matuidi. Le prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Parisien va faire son entrée sur le terrain. On va voir si c'est du poste pour poste. Nicolas Nkoulou. Lorient Thauvin. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, c'est pas bien défendu. Ça, c'est pas bien défendu. Oh, la belle frappe!
Et un ballon qui n'est pas très bien frappé. Hein. Mais non, parce qu'il le prend par-dessous. Cavani. Lorient Thauvin. On a bien vu ce centre, mais le défenseur est le plus prompt. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Marco Verratti. Ouais, bien taclé, mais le ballon n'est pour personne. Johan Cabaye. André Ayou. À la retombée peut-être. Nicolas Koulou Doumbéna. Ah, il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente hein, quand même, mais ben, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Dans le coup de poker de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Le changement tactique est peut-être ce qui manquait à ses joueurs. Il est à la récupération au milieu de terrain. Et le PSG qui obtient un coup franc suite à cette faute. Et ils essayent d'emballer le match. Et Ibrahimovic. Ibrahimovic. Marco Verratti. Et c'est au fond. On revoit cette superbe tête, Franck. Le timing est parfait, Hervé. Le centre est bon. Une tête bien frappée qui ne laisse pas l'ombre d'une chance au gardien. Ouais, deux buts à rien, il domine les débats. Ouais, beau duel en perspective. Marco Verratti. Et la voilà, la frappe. Et la frappe qui passe à côté. Pas de problème pour le gardien. Marco Verratti. Ah, toujours aussi précis hein, dans ses passes. Marat Fani. Nicolas Nkoulou. JJ. Avec Zlatan Ibrahimovic. Johan Cabaye. Javier Pastore. Oh, c'est parti. Et le gardien qui est sur ce ballon. Et le PSG qui obtient donc un corner. Marco Verratti. Il l'avait vu venir cette talonnade. Lucas Ocampos. Johan Cabaye. Cavani. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh, le but! Ah, c'est probablement le coup de massue. Hein. Ils ne pourront pas revenir. Nicolas Nkoulou. Ah, il a décidé de conserver ce ballon. Nicolas Nkoulou. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. L'arbitre qui avait compté 2 minutes de temps additionnel.
Ouais, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. André Ayou. Ouais, il récupère le ballon. Et voilà, victoire assez nette tout de même, puisque c'est terminé, qu'il s'impose sur le score de 3-0. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck ? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, hein, ils auraient pu jouer toute la nuit, qu'ils n'auraient jamais été inquiétés. J'espère que vous aurez apprécié ce match. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. 'Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights.